Plutôt cinq lois et une charte de droits et libertés. Les lois sur la citoyenneté, le multiculturalisme, les lois sur la langue officielle, les lois canadiennes sur les droits de la personne, comme je viens de mentionner tout à l'heure, la charte de droits et de libertés, et les lois sur l'immigration et la protection des réfugiés. Le processus d'intégration s'est fait entre deux parties, la personne nouvellement arrivée au Canada et la société d'accueil. L'intégration, plutôt cette relation-là, elle est accompagnée par des organismes et des lois, comme je viens de dire tout à l'heure, ou bien au niveau provincial, qui facilite cette intégration et qui facilite cet accueil aussi, parce que c'est pas désolé, c'est pas facile de trouver des gens qui vont être très accueillants pour des personnes qui viennent, qui arrivent nouvellement au pays. Et il faut alors leur motiver, leur donner de la motivation et tout. Bon, je sais pas quoi dire d'autre, si tu peux m'aider là, Aurélien. Ok, pas de problème. Nous sommes satisfaits de votre réponse parce qu'on n'a pas une réponse précise vraiment sur ce thème parce que c'est un thème qui est vraiment vaste. On peut dire pas mal de choses là-dessus. C'est un thème vraiment, on peut élaborer. Il y a vraiment des maîtrises qui ont été faites sur ce sujet. Il y a des mémoires des universités qui ont été faites sur ce thème d'intégration-là. On peut dire ce qu'on sait de ce thème. C'est pas un sujet qu'on peut, on va aller au profondément. Et on dit ce qu'on sait et puis c'est normal. On va passer aux questions si c'est correct avec vous. Et je sais que l'intégration, c'est un sujet vraiment qui est partout. C'est comme adaptable partout là où vous passez, dans tous les systèmes. On doit s'intégrer. Comme on le dit souvent à Union Sonef, tu vas au travail, tu dois t'intégrer. Tu vas à l'église, tu dois t'intégrer. Tu vas dans un groupe communautaire, tu dois t'intégrer. Peu importe, à l'école, à l'université. C'est un cheminement qu'on doit passer par ça. L'intégration, c'est une façon de se socialiser avec d'autres personnes. Un peu, c'est ça qu'on dit. Ben, on va commencer à poser des questions à notre invité aujourd'hui. Mais l'intégration, si on fait l'intégration, il y a quoi derrière tout ça? Monsieur Amine, est-ce que vous pouvez me dire quel est le but de l'intégration sociale exactement? C'est quoi le but de l'intégration sociale selon vous? Ah, selon moi, l'intégration sociale, c'est un processus d'incorporation des individus ou bien d'un individu à un groupe accueillant. Et cette intégration est indispensable au maintien de la cohésion de ces groupes et au vivre ensemble de la société.
Est-ce que tu m'as entendu? Oui, je t'entends très bien. Je t'entends très bien. C'est Oh. correct et c'est parfait pour la réponse. Et c'est bon. On est très content. J'espère que nos téléspectateurs qui vont être satisfaits des réponses. Et si ils ont quelque chose à ajouter, ils peuvent ajouter ça dans les commentaires. C'est pas grave. On va faire ça va être un grand plaisir pour nous de les lire après. Et puis, c'est pour ça, l'objectif aussi, c'est de faire partager les gens, si leurs idées comme ça. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Et ça va nous faire un grand plaisir. Monsieur Amine, on va poser une autre question. Si vous êtes prête à répondre à la question, c'est comment définir une intégration de façon globale et générale? Bon, je viens de dire ça au niveau de l'introduction que j'ai faite tout à l'heure. L'intégration, on peut le définir comme une intégration ou bien on peut la partager sur trois types d'intégration. Il y a l'intégration sociale, économique et sociale, économique, sociale et culturelle, économique et même politique. Et, au niveau de l'intégration, de façon générale, on peut dire, c'est le fait de s'incorporer dans un nouveau système et de faire partie de ce système et d'être fier de faire partie de ce système. Et dans ce processus-là, le système, il doit nous offrir des choses, des outils comme surtout au niveau de la réinstallation et l'établissement. Par exemple, les nouveaux arrivants, ils ont besoin de faire reconnaissance de leur qualification acquise à l'étranger. Ils ont besoin d'un service de soins de santé, ils ont besoin d'un service d'éducation pour eux, ou s'ils veulent continuer leurs études, ou bien pour leurs enfants qui les accompagnent dans la plupart du temps. Et aussi une intégration au niveau du marché du travail et la reconnaissance de leur expérience et tout, et leur qualification. Par exemple, on peut citer là, au niveau de l'éducation, par exemple, on peut donner l'exemple, plutôt on peut citer l'organisme WES, World Education Services, pour les gens qui vont arriver au Canada avec un niveau d'éducation collégial, secondaire. Par exemple, ils ont fini leurs études secondaires, ils veulent venir ici faire des études, que ce soit à l'université ou bien au collège, ils peuvent se diriger directement vers cet organisme-là pour faire la reconnaissance de leurs études. Et quoi d'autre on peut dire à propos de ce sujet-là pour les études, pour le marché du travail? Ça dépend de la nature du travail que vous allez faire, ou bien ça dépend de la nature du travail que vous avez fait dans votre pays. Il y a des travaux, il y a des travaux qui sont réglementés par la loi. Par exemple, vous pouvez pas venir ici au Canada. Vous êtes médecin chez vous, dans votre pays. Et quand vous arrivez ici au Canada, vous ne pouvez pas être médecin praticien tout de suite. Vous devez passer par des étapes. Donc, la première étape, comme je viens de dire, c'est la WES, World Education Services, pour la reconnaissance de votre diplôme et tout. Et ensuite, vous adressez à l'université, aux universités de votre choix. Bon, il vaut mieux de se diriger vers plusieurs universités
dans la ville ou bien dans la province où vous allez vous installer. Et dès que vous allez avoir la réponse positive de l'une de ces établissements, quand vous allez arriver ici au Canada, vous pouvez directement commencer à étudier et pour décrocher votre reconnaissance comme médecin. Et la même chose pour les ingénieurs et plusieurs autres métiers qui s'appliquent aussi. Mais si vous venez, si vous venez comme un immigrant, parce qu'il y a plusieurs, je ne sais pas si je peux parler encore ou si on Oui, a une vous limite de pouvez temps. parler autant que vous pouvez, monsieur Hermine. OK. Comment dirais-je? Où est-ce que j'étais? Voilà. Pour les métiers, il y a plusieurs métiers. Il y en a des métiers qui sont réglementés. On ne peut pas accéder à ces métiers-là directement, seulement après avoir fait les reconnaissances et les certificats nécessaires pour être admis, être éligible de faire ces fonctions-là. Et la même chose pour l'éducation, l'enseignement, si vous êtes un enseignant, pour les infirmiers et tout. Et pour les personal support workers, c'est quoi ça en français? Aérolien? Allô? Qu'est-ce Ah, que c'est pas là. vous voulez dire quoi? Et pour les personal support workers, pour les... J'ai besoin Ah, d'entendre. Ok, c'est Personal bon. support workers, je sais pas, je vais chercher ça en ligne peut-être. Non, c'est pas PSW? Yeah, PSW, je trouve pas le mot en français, c'est ça. Oh, c'est C'est un soutien aux travail personnes, réglementé. c'est. C'est comme c'est quelque chose comme ça, c'est Préposé aux personnes, oui, c'est ouais, ça. préposé aux personnes âgées, quelque chose comme ça. Exactement. Et aussi, il y a aussi, comme je viens de dire tout à l'heure, des fonctions qui ne demandent aucune éducation, aucun niveau éducatif. Vous pouvez venir ici, vous pouvez travailler tout directement dans un magasin, dans une cafétéria. Il y a plein de choix. Mais si vous avez un niveau infirmier. Quand vous venez ici, vous ne pouvez pas directement travailler comme un infirmier. Mais vous pouvez vous adresser aux organismes non-profit organizations, aux organismes à but non lucratif. À travers ces organismes-là, vous pouvez peut-être trouver Une une chance alternative. d'avoir une alternative. Voilà. Vous ne serez pas directement un infirmier, mais vous pouvez être une personne qui va prendre soin du dossier. Tu peux être un aide. Exactement. Oui, c'est ça. Un aide d'infirmier. Tu peux travailler peut-être ce genre de travail-là. Jusqu'à ce que tu fais tes études et tu prends la reconnaissance de ton diplôme et tout. Bon, ça c'est pour juste pour vous encourager parce que c'est bien d'être ici au Canada, mais c'est bien aussi d'être reconnu. Parce que si vous venez ici, vous pensez la vie est meilleure, oui, la vie est meilleure. Mais par exemple, ici à Toronto, là où on vit, la vie elle est trop bousculée. Et pas vraiment, n'est pas le printemps, ce n'est pas le printemps et ce n'est pas les fleurs partout, ce n'est pas de l'argent qui va tomber du ciel. Il faut travailler dur, faire tout ce qu'on peut
pour survivre ici. Et d'autre part, il faut s'intégrer. Donc, c'est une équation un peu difficile pour une personne qui vient au Canada sans support, sans aide. Donc, il faut se diriger vers des organismes qui vont vous accompagner durant cette période durant ce processus d'intégration. Non, ils ne vont pas vous prendre la main. Hein. Ils vont vous tendre la main, mais ils ne vont pas vous prendre la main et vous guider. Ah, il faut faire ci, il faut faire ça. Ils vont vous mettre dans leur bureau. Ils vont vous parler gentiment. Ils vont vous écouter attentivement. Si vous avez quelque chose à donner, ou bien des idées à donner, ils vont vous aider à trouver des pistes, des solutions. Mais si vous allez à ces organismes-là et vous attendez des solutions prêtes, il y a des solutions prêtes, mais ça va vous faire mal. Je peux vous dire, allez, tu viens, tu arrives ici, tu fais ça. Tu travailles, tu fais ça, tu vas prendre ce montant d'argent. Je vais être un contrôleur de votre vie dans ces cas-là. Je ne veux pas être un contrôleur. Je ne veux pas imposer ce que je veux pour vous donner et vous mettre à côté. Non, je veux que vous, quand vous arrivez ici au Canada, vous trouvez votre solution. Je vais vous montrer les chemins comme un travailleur social ou bien comme un travailleur d'établissement pour les nouveaux arrivants. Je vais vous montrer les chemins. Je ne vais pas vous prendre la main et vous dire, voilà, le travail est là. Tu peux aller commencer aujourd'hui. Oui, pour moi, je suis satisfait. Je vais voir une autre personne et comme ça, la roule toujours. Mais ce n'est pas une bonne solution parce que après 5 ans, 3 ans, 2 ans, je ne sais pas, une année, vous n'allez pas vous sentir satisfait de la solution que je t'ai donnée prête. Et vous allez revenir et me dire, oh, Amine, tu m'as dit fais ci, fais ça. J'ai fait tout ce que vous m'avez dit, mais je n'arrive pas à réussir ma vie ici au Canada. C'est pour cela, les travailleurs sociaux, les travailleurs d'établissement, de nouveaux arrivants, ils essayent de leur mieux de vous montrer les chemins. Donc, écoutez les... Comme il canalise, il vous canalise, il vous pas, il va pas vous dire quoi faire. C'est à vous de décider et c'est à vous de choisir. Il va vous donner beaucoup d'options. Comme ça, vous pouvez choisir des options dans lesquelles vous vous sentez à l'aise. Exactement, Érolien. Et les options, il va pas vous donner les options. Il va vous présenter. Ça va pas venir dans leur tête comme ça. Ça va pas tomber dans leur tête comme ça, les solutions ou bien les propositions. Vous devez parler avec eux. Vous devez leur dire qu'est-ce que vous voulez faire. Comme ça, ils peuvent vous guider vers des pistes de solutions. Mais si vous attendez qu'ils vont vous dire, oh, tu fais... Tu peux faire ça, tu peux faire ci, sans que vous en parlez de vos propres sentiments ou bien de vos propres idées, ils ne peuvent pas vous aider. Ça, c'est au niveau un peu pour... Je ne veux pas passer toute la soirée en parlant de cette petite histoire-là concernant les organismes et tout. Il y a plusieurs organismes et ils peuvent vous aider. Mais comme je viens de dire et je répète, il faut que vous faites un effort et que vous soyez fort. Le Canada, c'est joli, c'est beau, c'est bon, mais il faut bosser. Même pour faire une assurance de voiture, personne
ne va vous dire, oh, ça, c'est la meilleure assurance de voiture. C'est la meilleure pour toi, ce n'est pas la meilleure pour moi. Tu vois? Exactement. Toi, exactement, parce que toi, ton papa, il vit ici au Canada depuis 30 ans. Il est assuré par cette compagnie pendant 20 ans. Et toi, tu étais sous son nom pendant 15 ans. Et aujourd'hui, tu as une assurance de voiture qui est pas chère pour toi. Et tu penses que c'est ça la, que c'est la meilleure assurance. C'est, oui, c'est pour le cas de cette personne qui t'a dit que c'est la meilleure. Oui, exactement. C'est pour lui, c'est la meilleure. Parce qu'il a ces conditions-là. Mais toi, tu es un nouveau arrivant. Tu es un nouveau conducteur. Bon, pour les conducteurs qui vont venir ici acheter une bagnole et tout, si vous avez de l'expérience dans votre pays comme un conducteur, quand vous venez ici, vous devez valider cette expérience chez votre ambassade ou bien chez votre consulat et vous devez vous procurer d'un certificat de d'expérience de ces années-là. Bon, et ça va vous aider pour l'assurance. Mais pourquoi est-ce que je vous donne cet exemple-là? Parce que vous devez faire votre exercice, vous devez faire votre recherche. Et on ne se motive pas avec « oh, c'est pas cher, il a trouvé facilement ». Ça se fait parfois, tu vas faire quelques recherches, hein, tu parles avec cette personne-là, « oh, c'est bon, l'assurance, ça va me coûter 300 ». Mais si tu ne vas pas faire ton exercice, tu ne vas pas trouver l'autre assurance qui va te coûter seulement 250. Donc, il faut toujours faire son exercice et essayer de son mieux. Ça, c'est... Oh, mon écran s'est éteint. Je suis désolé. OK. Bon, je vois, c'est correct pour les réponses, M. Hadji. Mais comme on est dans une émission d'intégration et toutes les situations ne sont pas les mêmes... Nous avons des auditeurs partout, un peu dans le monde. Et quand vous venez seulement pas au Canada, M. Hadji a bien parlé pour les gens qui viennent au Canada. Mais nous, on essaie de voir le mot en soi pour le monde entier. Comme quand vous allez n'importe où, vous devez vous intégrer. Comme on voit l'aspect travail, c'est un aspect clé pour l'intégration sociale. Quand tu arrives quelque part, tu auras besoin de travailler, tu auras besoin de payer des choses. La première chose que tu dois faire, c'est de trouver un emploi. Comme on parle de façon générale, on ne parle pas seulement pour le Canada, vu que nous sommes au Canada, vraiment, mais on parle de façon, si vous êtes un Brésilien, si vous êtes un Chilien, si vous êtes un Américain, si vous allez aux États-Unis, ça va être, on veut montrer comment, M. Amine voulait démontrer quels sont les outils que vous pouvez avoir pour réussir à vous intégrer facilement? Car il y a des ressources qui sont là pour que, quand vous êtes à peine arrivé dans certains pays, je ne sais pas pour tous les pays, si pour tous les pays, s'il y en a des ressources comme ça, mais je sais dans des pays occidentaux comme le Canada, les États-Unis, dans l'Angleterre, la France, tout ça, il y a des outils qui est là pour aider les nouveaux arrivants, qui les canalisent. C'est à ce sujet-là, Amine a vraiment fait un grand travail, il a élaboré, il vous a donné des exemples, en prenant des exemples sur le Canada. Mais M. Hadji, comme nous avons bien vu que vous avez vraiment mentionné beaucoup le mot travail, travail partout, travail par-ci, travail par-là, parce que là où, peu importe là où nous allons, nous devons travailler. C'est ça et l'objectif d'abord quand tu rentres dans un pays intégré parce qu'il faut que tu participes vraiment aussi à l'économie de ce pays-là. C'est pour ça vraiment, des fois, il accepte des gens de venir chez eux. Et dis-nous, M. Hadji, quel est le rôle vraiment du travail? Quel rôle joue exactement le travail dans l'intégration sociale d'un nouveau arrivant ou d'un individu qui est à peine arrivé dans un pays quelconque? Merci, M. Aurélien. Le travail, c'est
C'est un élément clé pour l'intégration. C'est un élément clé parce que il va ou bien vous valoriser, va vous donner une valeur dans n'importe quel travail, ça va vous donner une valeur. Mais est-ce que vous allez vous sentir bien dans cette valeur-là ou non? Donc, parce que le travail, il va vous mettre dans un groupe. Donc, vous allez avoir un entourage des gens qui travaillent avec vous. Et ces gens-là, chacun, il a des idées, il a des attitudes, il a des observations et des attentes ou bien, par rapport à cette nouvelle personne qui vient d'arriver dans cette compagnie ou bien dans cet organisme. Et ils ne vont pas vous regarder comme une personne martienne. Non, ils vont vous regarder comme une personne qui est nouvellement arrivée au Canada. Et ils vont s'attendre le mieux de vous. Il n'y a pas tout le monde, mais ils vont vous regarder, ils vont avoir des attentes. Et ça va faire comme une autre poids à sentir ça. Mais si vous ne le sentez pas, c'est bien. Je suis désolé de le mentionner parce que moi, je me mets comme un exemple. Malheureusement, j'ai senti qu'il y a des gens autour de moi qui s'attendaient des choses de moi. Je suis pas un martien, je ne suis pas un magicien, je suis une simple personne qui veut vivre ici simplement et en cohésion et en cohérence avec les autres. Mais ce qui est plus intéressant, cette valeur que le parce que toute valeur, tout travail va vous donner une valeur dans une société. Par exemple, tu peux pas comparer, par exemple, je vais aller un peu plus haut pour être plus équitable. Tu peux pas comparer un premier ministre avec un ministre. Le premier ministre, il a une valeur plus grande. C'est normal. Tu vois, il se sent bien là-bas. C'est son affaire. Ok, s'ils se sentent très bien là-bas, ils se sentent très bien là-bas. Le ministre, alors, il se sent bien dans son coquillage, dans sa ligne de niveau, il se sent bien. S'il ne se sent pas très bien dans sa peau, dans ce niveau-là de vie, il va faire son mieux pour aller à une autre étape, n'est-ce pas? Voilà. C'est pour cela que j'ai dit, le travail, il va vous donner une valeur dans la société. Cette valeur-là, est-ce quand vous la sentez, est-ce que vous allez vous sentir bien ou non? Si vous allez vous sentir bien dans ce niveau-là, c'est bon, parce que ça va vous donner un calme intérieur et une satisfaction intérieure que personne ne peut vous donner. Parce que par exemple, si on parle, à un moment là, aujourd'hui, on est très... Moi, personnellement, je suis très heureux parce que là, je vois sur mon ordi, la température est zéro. Hier, était moins 20. Et quand tu sors à l'extérieur, ça sent moins 35 le matin. Donc, si tu n'es pas vraiment heureux dans ce que tu es en train de faire, toutes les conditions-là vont te mener vers une autre chose qui n'est pas bon pour ta santé. Donc ça, c'est important. Tout ce que tu fais, il faut le sentir bien et il faut, si le travail que tu es en train de faire, tu n'aimes pas, ce n'est pas grave, tu vas essayer de trouver d'autres solutions et tu dois essayer de monter l'échelle. Une échelle, un pas, one step at a time. Tu vois, ça c'est pour step le niveau de la valeur. Voilà, step by step. Ça c'est au niveau de la valeur que le travail va te donner dans la société.
d'autres choses, il faut mettre les doigts sur d'autres choses. Par exemple, ici au Canada, j'ai remarqué qu'il y a plein de drogues. Il y a plein de substances que les gens sont en train de fumer ou bien je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Je me suis trouvé au début dans un groupe. Au début, j'ai travaillé, je suis très, très reconnaissant à Dieu, aux gens, au temps que j'ai fait la connaissance de Raciliens, parce que sinon je ne serais jamais ici aujourd'hui. Bon, ce module, c'est, mais plutôt non. C'est correct. J'ai fait des études dans un collège. Le collège, ça s'appelle le Collège Boréal, ici à Toronto. C'est bon, c'est comme ça. Est-ce qu'on peut mentionner ces choses-là ou tu veux rester que ça ben, reste? C'est pas un problème, mais on n'est pas trop focus. Non, c'est pas grave. Moi, ça me dérange pas, mais on va pas trop focus sur là où on va à l'école et les universités qu'on a fait, tout ça. C'est pas si important que ça, tu vois. Non. On veut juste partager avec les gens des astuces qui peuvent les aider à réussir dans leur intégration un peu. Ok. Ok. Je suis désolé. Non, c'est correct. Comme tu avais bien dit, je peux ajouter quelque chose. Comme tu as bien dit, le travail. Moi, je peux dire que le travail, c'est quand tu viens dans un pays pour la première fois et après quelques temps de recherche, après quelques temps de hauts et de bas, tu trouves un travail. Et ça va t'aider vraiment à te retrouver parce que le travail, comme on le dit souvent, c'est la liberté. Le travail, c'est la liberté. Ça nous aide vraiment à nous sentir nous-mêmes, à nous sentir plus grands quand on travaille quelque part. Admettons, et quand tu viens d'arriver quelque part, la première paye que tu vas avoir, ça va vous mettre vraiment dans un niveau, même si ce n'est pas beaucoup d'argent. Peu importe le pays que tu sois, dès que tu commences à travailler, tu te sens un peu plus libre. Tu te sens aussi intégré dans la société car tu commences à avoir ton propre argent, tu commences à avoir tes moyens de finances. Comme ça, tu peux acheter ce que tu veux, même si ce n'est pas vraiment quelque chose qui va t'apporter. Et ce n'est pas un million que tu as gagné, mais c'est comme un premier, c'est l'argent que tu as gagné la première fois, c'est le travail qui te l'a donné, c'est toi qui as travaillé pour cet argent-là. Je pense que quand on arrive quelque part, c'est pour ça qu'on a mentionné le travail est vraiment essentiel pour te sentir soi-même, parce que quand tu vas travailler, tu vas trouver d'autres personnes, tu vas t'entourer, tu vas t'encadrer, tu vas entrer dans une institution aussi, comme ça tu viens de l'extérieur. Comme ça, tu vas commencer à comprendre comment ça fonctionne, le système aussi. Et c'est très important de savoir quand tu vas travailler, il faut t'adapter dans le travail. Il faut t'intégrer, il faut écouter, c'est un peu tout ça. C'est pour ça qu'on a parlé du travail dans le domaine d'intégration, parce que ça joue un rôle est primordial pour moi. Parce que quand tu arrives pour la première fois quelque part, comme je te dis, c'est ça qui va... Si quelqu'un te donne de l'argent aujourd'hui, et c'est pas tout le temps, il va penser à te donner de l'argent. C'est pas tout le temps qu'il va vouloir te donner de l'argent, oui. Et c'est comme ça, tu dois travailler toi-même pour avoir ton propre argent. Et quand tu vas gagner ton propre argent, je vous assure que vous allez vous sentir vraiment, vraiment d'une autre façon, car tu as travaillé pour cet argent-là. Et à cause du travail que tu as trouvé, et avec ça, tu vas t'intégrer plus dans la société, dans la communauté, parce que quand tu arrives au travail, on va te montrer comment faire et tu vas voir d'autres gens. Alors, tu vas être entouré, comme M. Amin l'avait bien dit. C'est pour cela qu'on parle d'intégration au travail. C'est pour ça et on va essayer de faire des connexions avec M. Amin. On vient de le perdre. Oui, je suis ici. C'est un peu ça, oui. Tu es pas sur le... Je ne te vois pas vraiment et je t'entends, mais je ne te vois pas. Et c'est un peu ça. Et quand on parle de travail, c'est comme la liberté. Le travail, c'est la liberté. C'est pas pour rien quand on dit ça. Car quand on travaille, on a le pouvoir.
on a le pouvoir. Le pouvoir, c'est quoi? C'est si je veux faire quelque chose, j'ai les moyens de le faire. Ça, c'est un pouvoir. Si vous n'avez pas les moyens de faire quelque chose, tu peux acheter quelque chose, tu n'as pas le pouvoir de l'acheter. Ça, c'est quelque chose vraiment qui te met dans une situation vraiment délicate. Comme ça, tu ne peux pas réagir comme bon vous semble. C'est pour ça qu'on parle un peu de travail important. Peu importe là où vous allez dans un pays, vous allez vous intégrer. La première chose qui est importante à faire, même si vous allez pour étudier, tu dois trouver un petit boulot quand même si tu es capable. C'est un peu ça. Et puis, le travail, c'est ça. Si tu vas pour t'installer définitivement dans le pays et vous allez avoir besoin d'un travail, c'est ça. Avec ça, vous allez payer toutes les choses. Sinon, qu'est-ce que vous allez faire? C'est ça. Avec le travail, on a fait un brossage, en gros, sur le domaine du travail. Comme ça, nos téléspectateurs, si vous avez d'autres opinions divergentes, vous pouvez l'ajouter. Si vous avez d'autres choses qu'on peut ajouter dans les commentaires, ça va nous faire plaisir de partager. C'est pour ça l'objectif de cette émission intégration, c'est même si vous êtes chez vous, vous pouvez vous intégrer, vous pouvez participer avec nous, vous pouvez bien donner vos opinions, vos points de vue, et ça va nous être utile, et ça va être utile aux autres aussi qui vont lire vos commentaires, parce que c'est pas juste nous qui vont pouvoir les lire. Il y avait beaucoup d'autres personnes qui vont être intéressés à ce que vous allez dire. Et nous avons récupéré notre cher ami qui avait disparu quelques minutes. Et monsieur Amin, nous allons continuer. J'espère que ça va bien pour toi pour l'instant. Ça va. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que vous m'entendez? Oui, je t'entends là? Très bien. Ah, ok, je suis désolé. Est-ce que vous m'entendez, vous, là? Ah oui, je vous entends. Ok. C'est bien, comme vous avez bien fait, vous avez vraiment donné des astuces pour les gens qui arrivent au Canada, mais on veut parler plus de façon globale et générale. Partout, si je vais en Tunisie, je dois m'intégrer, je dois aller au travail. Si whatever, là où je vais m'en aller, je dois m'intégrer dans la société. C'est pas la société qui va s'intégrer à moi, c'est moi qui dois m'intégrer dans la société. Oui, on va passer à autre chose. On va poser une autre question à notre ami et notre participant. Et nous, on a parlé du rôle du travail. Mais monsieur Hadji, est-ce que vous pouvez nous dire, on a parlé de l'intégration. Est-ce qu'on peut faire une différence entre quand on est fini d'intégrer dans la société, est-ce qu'on peut parler vraiment d'intégration nationale? Et à ce point-là, quand on a vraiment se sentir intégré dans une société ou dans un pays quelconque? Bien sûr. Après, par exemple, si on parle du Canada, là. Et après 1993 ou bien 94 jours, Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort, monsieur? Ah, oh, ok, je suis désolé. Ok, là. C'est bon, parce qu'il se... Ah, ok. Là, il faut arranger ça, tu passes. Juste une seconde. Ok, je vais fixer ça. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Non, je ne t'entends pas là maintenant. C'est toi qui as coupé le micro alors? Il ne faut pas couper le micro. Mais je t'entends pas. Ton micro est coupé là. Oui, sur le. Ok, là, je t'entends. J'ai appuyé sur le mauvais bouton, je pense là. C'est correct, c'est bon. Désolé. Vous pouvez continuer. Ok, je suis désolé. Comme on parle ici, on parlait de, est-ce qu'on peut parler de l'intégration nationale? Exactement. Ici, on parle du cas du Canada. Après 3 ans, soi-disant, je ne suis pas sûr combien de jours exact, mais après 3 ans d'avoir la statut
résident permanent, vous pouvez vous faire la demande pour devenir un citoyen canadien. Donc, avant, c'était 5 ans. Et je pense encore, même après avoir passé 3 ans au Canada, et vous êtes donc devenu un citoyen canadien, ça dépend de la situation dans laquelle vous allez vous trouver. Si vous allez vraiment vous sentir intégré au niveau national, c'est-à-dire si vous allez développer un amour pour le Canada comme une nation, comme votre nation. Je sais très bien que c'est un peu flou, surtout pour les gens qui ne sont pas encore ici, et même pour les gens qui sont ici, nouvellement arrivés. Mais je le dis et je le sens un peu bizarre parce que j'ai jamais parlé de ça. Mais j'imagine après 5 ans, la personne, ça dépend, comme je viens de dire tout à l'heure, de la situation dans laquelle elle se trouve, où elle va se trouver. Même après 5 ans, c'est pas facile de dire « Oh, je suis Canadien » ou bien « J'ai le sentiment d'être Canadien. Est-ce que j'ai embrassé les valeurs canadiennes ou pas ?» Ça, c'est pas évident. Même si vous allez le dire, c'est pas vrai et c'est pas faux. Parce que le Canada, elle a des valeurs générales et chaque communauté, par exemple, parce que si vous venez, par exemple, du nord de l'Afrique et vous allez installer, par exemple, au Québec, généralement, on ne s'installe pas ici en Ontario, on s'installe au Québec. Bon. Et vous allez vous trouver dans un environnement plutôt maghrébin avec des gens de votre... Vous allez vous trouver dans une ambiance occidentale, mais avec les arrière-pensées ou bien les pensées du pays. Donc, ce sont des valeurs. Ça, c'est une valeur. Ça, c'est une valeur canadienne qui est née ici. Parce que ce mix-là, ce mixage-là, ça ne se trouve pas en Tunisie, ça se trouve seulement ici au Canada, par exemple. Ça, c'est un exemple de la Tunisie. Donc, après 5 ans, vous n'allez pas vous sentir comme... Oh, je suis désolé. Je viens de... Oh, ok. C'est pas le message. C'est une autre chose qui vient de... Ok, je suis désolé parce que j'étais un peu... occupé du téléphone. Je vais le renverser comme ça, on est calme. Bon, qu'est-ce que je venais de dire là? Je venais de dire que les valeurs canadiennes, elles sont, il y a des valeurs générales, les valeurs de l'ouverture, du multiculturalisme, par exemple, c'est une valeur, c'est une culture, c'est une loi. Ce sont des choses qui sont ouvertes à tout le monde. Mais il y a des choses qui ne se trouvent que dans votre communauté, là. J'ai pris une communauté, exemple, la Tunisie ou bien le Maghreb arabe, en général, pour les gens qui vivent au Québec, Montréal, au Québec City, au Québec en général. Donc, les gens qui souvent se retrouver autour des personnes qui viennent de leur pays d'origine. Même bloc, même culture. De la même culture, exactement. Ils vont développer des valeurs canadiennes parce que c'est ici que ça, ce mélange-là, cette soupe ou bien cette soupe-là,
c'est fait ici, ça se fait pas là-bas au pays. Donc, ce sont des valeurs et des sentiments d'ici, du Canada. Donc, après 5 ans, même si vous n'aimez pas ce que vous voyez ou ce que vous les choses ou bien l'entourage dont vous allez vous trouver, mais ça c'est la réalité dans laquelle on se trouve. Donc oui, je suis fier de ce que je suis et de ce que j'ai fait et de ce que je suis en train de faire maintenant et de mon entourage, même si je ne l'aime pas trop. Peut-être ça vous n'allez pas apprécier ce que va, parce que personne n'est parfait, parce que peut-être vous venez avec l'idée, hop, on va se détacher totalement de ce qui est de nos origines. Non, nos origines vont venir avec nous et vont participer à l'amélioration et à l'épanouissement de l'image générale du Canada. Donc, vous venez avec un bagage, vous avez une valeur, votre communauté de là-bas qui se trouve ici, si vous allez avoir la chance de vous trouver avec eux, ça va vous donner une poussée vers l'avant et ça va vous aider. Même moralement, ils ne vont pas vous prendre la main, ils vont dire hey, Amine, viens, on va trouver le travail ensemble. Non, ne vous attendez pas de ça. Prenez soin de vous et comptez sur vous-même. S'il y a des choses qui vous allez. C'est quoi la bonne chose? Bon, je sors là, Érolien, du thème de la question, ok? Parce que je vois que c'est important, parce que le fait de sortir avec les gens de ton pays, ça va t'aider, de ton pays d'origine, ça va t'aider à faire de nouvelles connaissances, donc de se socialiser avec les gens d'ici. Donc, c'est important. Même si les gens avec lesquels tu vas sortir, ils ne vont pas te donner une grande chose, seulement une bière, tu vas sortir avec eux et tu vas passer un bon temps avec eux. Mais la bonne chose que tu vas trouver, les numéros de téléphone. Hey, bonjour, Aérolien, ça va? Hey, qu'est-ce qu'on fait ce week-end? Est-ce que tu peux sortir? Ah oui, bien sûr. À quelle heure? Eh bien, on sort ensemble, on fait la connaissance d'Aérolien. Et moi, je viens avec une personne qui m'accompagne et Aérolien, il va venir avec une autre personne. Ces deux autres personnes, ils vont faire la connaissance entre eux, ils vont se partager le numéro de téléphone. Hey, man, toi, qu'est-ce que tu fais en pays? Moi, j'étais un ingénieur. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Bon, je travaille dans une boîte de je sais pas, de décor et on fait ci et ça. Est-ce que tu peux travailler? Bon, il ne va pas te dire, est-ce que tu peux travailler? On fait ça et on fait du design. Oh, c'est vrai. Tu entres en communication avec cette personne, peut-être la semaine d'après, le mois d'après, tu ne sais jamais. Il va te présenter à une autre personne qui travaille sur l'ordinateur, sur le programme d'AutoCAD ou bien sur quelque chose qui est relié directement à ton travail. Cette personne va apprécier tes connaissances et elle va apprécier ce que tu connais. Tu n'as même plus besoin d'aller vers le schéma dont on parlait tout à l'heure, les connaissances de diplômes et tout. Non, tu ne vas plus avoir besoin de ça. Tu vas directement dans cette boîte. Tu n'as aucun. Ils ne vont pas te mettre dans le registre des ingénieurs et tout. Et ils vont te dire, OK, tu viens, tu travailles avec nous, tu fais ci, tu fais ça, on va te donner ce montant d'argent par la fin de semaine ou bien par la fin du mois. Et après, tu vas prendre, en cours, en parallèle, tu vas faire les reconnaissances de ton diplôme. Ça, c'est une chose très importante. Personne ne va te donner la socialisation, les connaissances, ici il l'appelle networking. Le networking, c'est important. Bon, j'ai passé à côté de la question.
de l'amour et de sentiments d'intégration nationale, parce que ça, c'est la dernière étape de l'intégration. Et je vois que c'est l'intégration qui est plus importante pour les personnes qui vont venir aussi, qui vont venir ou bien qui sont nouvellement arrivés, c'est le truc et la façon de s'intégrer au niveau social et pour se trouver du travail. Quand j'ai arrivé ici, tout le monde me parle de networking du tout. C'est pas... Je ne savais pas comment faire. Je n'avais aucune personne avec laquelle je peux parler. Je n'avais aucune personne avec... Quand j'ai arrivé à Toronto, j'ai cherché tous les groupes tunisiens sur Facebook. Tu n'en trouves pas? Je les trouve, enfin, centaines, mais sans des pages mortes. Ok, je vois, je comprends. C'est, quand on parle de l'intégration nationale, vu qu'on est dans certains pays, il y a vraiment beaucoup de... Comme on parle, on est au Canada, nous. Le Canada, c'est un pays vraiment multiculturalisme. Et à Toronto seulement, il y a 120 nationalités. Je ne sais pas dans quel pays où vous êtes. Ça se peut qu'il y a vraiment un mélange de pays, un mélange de cultures. C'est pour ça qu'on parle d'intégration nationale. Dès que vous finissez d'intégrer dans la... dès que vous arrivez à vous intégrer dans la société, vous allez côtoyer pas mal d'autres personnes. Vous allez côtoyer pas mal d'autres pays, de nationalités, d'autres cultures. C'est pour cela qu'on dit l'intégration nationale. Il faut que tu t'intègres à basse échelle. Après, vous allez vous intégrer de façon nationale. Vu que le Canada, c'est un pays multiculturaliste, il faut que vous tenez compte de tous ces aspects-là. Vu que moi, je suis haïtien, lui, il est tunisien, l'autre, il est mexicain. On se rencontre au travail, on se rencontre partout, on se rencontre dans les autobus, on se rencontre dans les trains, dans les métros. Il faut que vous qui arrivez dans un pays quelconque, et ça se peut que c'est un autre pays, il y a d'autres nationalités, il faut que vous en preniez compte de tous ces facteurs-là, car ça peut vous aider et ça peut vous déranger. Il ne faut pas voir seulement votre propre culture. Et moi, je pense que c'est un plus quand on est dans un pays qu'il y a beaucoup de nationalités. Comme ça, on apprend pas mal plus de choses qui nous enrichissent pas mal sur les autres pays et sur les autres cultures. C'est ça qui est très, c'est ça qui est très bon au Canada. Vous pouvez trouver pas mal de nationalités et pas mal de cultures. Et sur ce point, je pense que le Canada est un pays très riche à ce sujet, car les autres pays apportent pas mal de leurs nouvelles façons de faire. C'est pour ça qu'on voit que le Canada est toujours au top dans les technologies, dans les sciences, tout ça. Le Canada, ce n'est pas vraiment seulement les Canadiens qui sont nés d'origine ici, ce qui fait que le Canada est un grand pays. Ça se peut que ce sera pareil pour les États-Unis. Ce n'est pas les Américains qui sont nés directement là-bas. Ce n'est pas les Français qui sont nés directement. Parce quand vous acceptez des immigrants, ce n'est pas pour rien qu'ils acceptent des immigrants. C'est pour faire fructifier la science, fructifier l'économie, fructifier un peu toutes les cultures. C'est pour ça qu'on parle d'intégration. Dès que tu as terminé d'intégrer dans la société, là, vous allez voir que vous pouvez vous intégrer de façon nationale. Nationale, ça veut dire que vous allez vous intégrer avec toutes les cultures. Parce que quand on va faire des activités, on va voir et lundi, le gars qui vient de l'Inde, il va apporter un truc qui vient de l'Inde. C'est lui qui vient du Mexique, c'est lui qui vient de la Chine. Et c'est comme ça, ça va faire un beau package pour le Canada et pour la culture. C'est pour ça qu'on dit le Canada, il n'y a pas une culture spécifique. C'est un pays multiculturalisme. C'est pour ça qu'on parle d'intégration nationale. Comme ça, vous allez vous intégrer avec plusieurs sortes de cultures en même temps, sans oublier votre propre culture. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, M. Amin? Non, je suis désolé. C'est exactement, on voulait juste ajouter ça aux questions. Et on va passer à une autre question pour demander à M. Amin. Et vraiment, quels sont les facteurs d'intégration dans un groupe?
qu'on peut rencontrer sur nos chemins, et peu importe là où on se trouve. Les facteurs d'intégration dans un groupe de travail, oui. Bon, au niveau professionnel, c'est tout d'abord les points communs qu'on va trouver avec les gens avec lesquels on va travailler, avec les personnes avec lesquelles on va travailler. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus fort, monsieur? Je suis désolé, j'ai totalement oublié que c'est... bon. Est-ce que vous pouvez pas l'attacher à côté de toi ou non? Non, je vais... Essayez de le faire passer à l'intérieur de votre veste. Non, je vais essayer de faire un changement là, j'espère que ça va marcher. C'est juste, parle un peu plus fort, ça va sortir plus mieux. Allô, ça va? Oui, c'est bon. Ah, ok, c'est bon. Parce que, ok, j'ai deux micros. Oui, on parlait de facteurs d'intégration dans un groupe. Ok, pour l'intégration dans un groupe professionnel, c'est ça, dans le travail, n'est-ce pas? Travail ou groupe sociaux, quel que soit, dans un groupe quelconque. Oui, c'est différent. Si un groupe d'amis, un groupe de... Oui, l'intégration dans un groupe. Bon, si on parle d'un groupe de travail ou bien un groupe social, soi-disant un groupe de soccer, de football. Ici, ils disent soccer, je ne sais pas. Chaque pays, ils disent notre... Il donne un différent nom pour ces jeux internationaux fameux. Bon, soccer ou bien football, mais surtout pas football américain. Bon, je veux dire sans discrimination, bien sûr. Bon, si vous êtes membre d'un groupe de sport, de sportif, voilà, c'est plus ample, c'est plus ouvert. Et si vous allez faire, si vous serez un membre d'un groupe de professionnels, c'est-à-dire au niveau de travail ou bien d'un groupe d'amis, tout simplement, vous venez du même village, ça tombe comme ça par hasard, vous êtes 10 personnes du même village de votre pays natal et vous vous trouvez ici dans ce pays et dans la même ville. Alors, c'est beaucoup mieux. Ça, c'est un point commun, vous êtes du même village, mais vous ne partagez pas la même histoire et vous n'êtes pas de la même génération, mais vous avez un point commun. Donc, le sport, le travail, le sport, le travail, l'amitié, ce sont des relations humaines. Les relations humaines, c'est pas facile, c'est très... Ça peut passer entre nos doigts sans le sentir et on peut passer à côté et on peut s'intégrer au fond. Donc, ce qui est intéressant n'est pas s'intégrer au fond et de se fondre dans ces groupes, mais être égaux, conscients, se partager les idées, être collaboratif et être organisé, bien sûr, organisé, collaboratif, conscient de là où vous êtes et productif. La production, 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 production. Vous allez venir au Canada, vous êtes au Canada. Vous allez produire. Ici, regarde, je vais vous dire quelque chose. Bon, je ne me souviens pas vraiment de l'histoire. Un bateau de pêche américain. Ils ont allé pour la pêche. C'est un gros bateau. Ils ont fait un naufrage. Ils ont été ramassés par des pêcheurs mexicains. Dans un village très lointain. Ce village, ces gens, merci Dieu, tout l'équipage du bateau ont été sauvés. Comme récompense, le
capitaine de bateau, il a parlé au chef du village, il l'a suggéré, il l'a regardé. Bon, après quelques semaines, après quelques jours, il a remarqué que les gens, ils vont à la pêche, ils pêchent seulement quelques poissons, chacun pour ses, juste pour nourrir sa famille. Ils ne vendent rien. Il est allé vers le chef du village, il lui a proposé, vous nous avez sauvé la vie, je vais vous donner une idée extrêmement lucrative et va vous changer la vie. Vous allez avoir des gratte-ciel ici. Dans quelques années, vous allez plus reconnaître ce village. Ok, monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous suggérez? Il a dit, quand je vais retourner en Amérique, je vais vous envoyer des bateaux. Deux bateaux ou trois, combien de familles ici, combien est-ce que vous êtes ici? On a besoin de 15 personnes sur chaque bateau. On va vous envoyer le nombre de bateaux nécessaires pour tous les hommes du village. Il a dit, qu'est-ce qu'on va faire avec ces bateaux? On a nos petits bateaux, et on va chaque jour en pêche et on a assez de food, on a assez de à manger. Il a dit, non, vous allez pêcher encore plus. Et pourquoi? Non, vous allez pêcher encore plus et vous allez voir beaucoup plus, vous allez exporter vos poissons vers l'Amérique, vous allez avoir beaucoup plus d'argent et vous pouvez avoir beaucoup plus de choses, et vous pouvez avoir de commerce et tout. Il a dit, pourquoi? Non, parce que vous allez garantir le futur de vos enfants. Pourquoi? Et pour qu'il aille une vie à l'aise, ils ne vont plus aller à la pêche, ils ne vont plus devoir travailler dans les champs. Il a dit, mais regarde, et après, qu'est-ce qu'on va faire? Et pour que vous pouvez aller chaque année vers les Bahamas et ou bien vers les îles des Caraïbes et faire de belles vacances. Et vous allez passer 30 jours avec vos enfants. Il a dit, mais qu'est-ce que vous faites? Mais attends, qu'est-ce Monsieur que vous Amine, dites là? Il faut qu'on reste dans le sujet. Il faut c'était, ok, deux mots dans l'histoire. Qu'est-ce qu'il va dire? Il a dit, regarde, monsieur, on va à la pêche. Chaque jour, on pêche assez de poissons. Là, et on va au champ. On a assez de nourriture pour nous et pour nos enfants. Et on reste le reste du temps avec nos enfants et on fait la fête tout le temps. On n'a plus besoin, on n'a pas besoin de votre, on n'a pas besoin de vos bateaux. Mais ici, quand vous venez au Canada, vous allez monter dans le bateau. Vous allez être dans ce bateau, essayer de faire votre mieux, de vous compéter to compete between each other pour faire la compétition avec les autres pour avoir assez d'argent et pour produire assez de produits dans ce pays, que ce soit n'importe quel type de produit, que ce soit votre produit, ça va être non matériel ou bien un produit matériel, c'est-à-dire si vous allez travailler dans un secteur des services sociaux, vous n'allez pas produire des roquettes, vous allez parler avec des gens comme vous et vous allez essayer de les aider à s'intégrer, à trouver du travail, à trouver du logement, à trouver des ressources financières et tout. Bon, ça c'est... J'ai perdu le... Voilà, ça c'est pour la question des facteurs d'intégration. Des facteurs d'intégration dans un groupe. C'est pour ça que je ne voulais pas que tu te perdes. Voilà. Donc, je me suis perdu alors que j'ai dit la première chose, il faut être conscient que vous êtes dans ce groupe-là et que vous devez être organisé. Comme j'ai bien dit, organisé, conscient et aussi avoir
et avoir un sentiment L'esprit d'équipe. d'admiration, et l'esprit d'équipe, et la collaboration et la productivité. C'est tout. Je suis Exactement. désolé de prendre un peu plus de temps C'est bien, les histoires, ça a leur place, c'est pas grave, c'est bon, on va continuer et avec nos questions. Et quoi, et vous voulez aller voir les Mexicains dans le bateau aussi? Non, je vais aller au Mexique. Oh, mais c'est pas grave. Ok. Je vais pas raconter mes histoires ici. On va continuer avec les questions, mon ami Amine. Est-ce qu'on peut faire une différence entre intégration et inclusion quand on arrive dans une société? Est-ce qu'on peut faire la différence entre intégration et inclusion? Quelle est la différence? Bon, je viens de mentionner là, bon, l'intégration, c'est l'intégration. L'inclusivité, L'inclusion, c'est c'est-à-dire quoi? l'inclusion. L'inclusion, c'est-à-dire, bon, au début de notre émission, j'ai dit qu'il y a des lois et réglementations, lois et chartes de droits et tout, ce sont des lois inclusives, c'est-à-dire ça inclut tout le monde. Donc, l'intégration, elle est comment, non pas encadrée, mais pas vraiment garantie ou encadrée, mais elle est accompagnée, assistée par Assister. les lois inclusives qui va inclure tout le monde, accueillir tout le monde. Elle va être comme une dôme qui a comme une umbrella, comme un parapluie qui va couvrir tout le monde. Donc, c'est ça l'inclusivité, l'inclusion. Donc, on inclut tout le monde ici au Canada. On fait pas de discrimination, on n'élimine personne. Tout le monde sont les bienvenus. Tout le monde, de n'importe quelle ethnicité, de n'importe quelle pensée, de n'importe quelle religion, couleur, même parfois, même il y a, je vois des choses que j'arrive pas à comprendre. Parfois, je me dis, pourquoi est-ce que ces gens-là, ils sont accueillis ici? Je ne veux pas entrer dans des choses politiques, mais je vois bon, Laissons les choses l'immigration. politiques de côté, monsieur Amine. Oui, c'est ça. Ce sont des sentiments personnels, mais malheureusement, parfois. Il faut pas faire l'exclusion dans ta tête, hein? OK, l'inclusion. Ce qui est important, ce qui est garanti pour vous, vous serez inclus ici. Vous êtes les bienvenus ici. Personne ne peut vous repousser. Et ça, c'est un garant. Ça, c'est un garant pour votre intégration. Ça, c'est un coup de pouce, coup de main qui va pousser, vous aider à entrer, à vous intégrer ici au Canada. C'est tout. C'est bon, merci. Rien. Merci beaucoup. Je sais qu'il y a d'autres choses que vous voulez dire, mais on va les dire Non, non, ça pas, si, après. pas aujourd'hui au moins. Pas aujourd'hui. On va faire une autre émission pour ça, et spécialement, on va parler de toutes ces choses-là après. C'est pas grave. On va continuer pour dire, et on va poser une question, on va voir. C'est comme on parlait du travail, quand on commence à travailler, on va avoir un salaire. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que l'intégration d'un salarié au juste? Est-ce que vous pouvez nous éclaircir un peu là-dessus? L'intégration d'un salarié. L'intégration d'un salarié. J'arrive pas Ok, c'est je bon. comprends pas la question. Tu comprends pas la question. Vous Non, comprenez, quand non. on travaille, on va avoir un salaire. Et quand on arrive dans une société, comme je l'avais dit tantôt, et ça va nous donner une sorte d'autonomie, ça va nous donner une sorte de liberté.
Mais c'est quoi vraiment exactement le terme qu'est-ce que c'est l'intégration d'un salarié exactement? C'est, vous ne pouvez pas nous aider avec ça. Bon, pour un salarié, pour une personne qui va venir ici au Canada, comme parce que si on parle d'immigration, il y a plusieurs catégories d'immigration. Il y a les personnes qui vont être l'un des immigrants, c'est-à-dire qui vont arriver ici, résidents permanents. Il y a des gens qui vont venir ici. Généralement, on trouve ça, cette catégorie-là, on va les trouver avec sous le groupe de regroupement familial, par exemple. Ces gens-là qui vont venir avec un statut de résident permanent. Il y a des gens qui vont venir avec un visa de travail. Ne sais pas si je me trompe ou non. Ces gens-là, Ouais. ce sont les. Bon, il y a d'autres types, bien sûr. Les réfugiés qui vont venir ici avec un visa ou sans visa, comme on l'a vu en 2019-2020, pendant la pandémie. Les gens qui ont été expulsés de l'Amérique. Notre premier ministre, il a dit, vous êtes les bienvenus, vous pouvez passer, si vous trouvez le moyen de passer les frontières, vous êtes les bienvenus, on va vous aider et tout. Et bon, je ne sais pas s'ils ont été tous admis ou non. Et bon, au niveau d'intégration pour un salarié, je regarde ça comme une question qui vise les gens qui sont arrivés ici comme avec un visa de travail. Donc, l'intégration pour un salarié, ou c'est l'intégration. Bon, ok, moi je peux juste ajouter comme l'intégration des salariés, ça, c'est comme on avait dit, quand vous travaillez, vous allez avoir votre argent. Comme ça, vous allez avoir une sorte de liberté. Mais quand vous allez vous intégrer comme salarié directement, vous allez pouvoir répondre aux objectifs personnels et vous pouvez aussi répondre aux objectifs collectifs. Et de la communauté, admettons, si vous avez accumulé assez d'argent, vous pouvez même commencer à investir votre argent. Ça va vous donner comme une sorte de participation constructive dans la société. Vous pouvez même monter votre propre entreprise avec ça. Et c'est comme ça, quand vous passez de salarié et vous allez et vous transformer en entrepreneur, tout ça fait partie du début de l'intégration des salariés. C'est un peu ça qu'on parle. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Non, non, je ne veux pas ajouter une grande chose, peut-être sur ce sujet-là, c'est tout. Merci pour la clarification, c'est tout. Ben, c'est correct, c'est bien. Mais est-ce que vous pouvez nous dire comment mesurer l'intégration sociale? Est-ce qu'on peut mesurer et par quels moyens qu'on peut faire ça et mesurer l'intégration sociale? Est-ce que si c'est possible? Oui, c'est possible. Il n'y a pas une étude de mesure unique pour ça. Il n'existe pas une étude de mesure, mais pour l'intégration sociale, on va regarder peut-être des facteurs qui sont des facteurs plutôt des indices, non pas des facteurs, des indices qui vont nous éclaircir sur l'intégration de la personne au niveau social. Par exemple, est-ce que cette personne, premièrement, est-ce que cette personne a le temps pour se socialiser? Parce que, heureusement, je ne connais pas personnellement cette personne-là qui venait. J'ai entendu son histoire et ça m'a fait vraiment mal au cœur. Elle était ici au Canada pendant 10 ans. Elle ne connaît aucune chose du Canada. Elle n'est pas Il ne elle s'est pas intégré alors. n'a pas pu s'intégrer parce que cette personne, c'est un professeur de maths ou quelque chose comme ça qui venait de l'Afrique, de Congo ou bien de Côte d'Ivoire. Quand il est arrivé ici au Canada, il est arrivé dans un programme de regroupement familial. Il a tout. Bon,
plusieurs chances de réussir. Chaque personne, pour l'inclusivité, je reviens sur l'inclusivité, l'inclusivité du Canada pour les immigrants, c'est-à-dire toutes les personnes sont égaux pour réussir au Canada. Pour toutes personnes et toutes les personnes sont égaux. Donc, ce monsieur-là qui est venu, il a resté 10 ans dans une usine. Dès la première semaine, il avait ça dans sa tête. Oh, comment est-ce que je vais faire pour m'intégrer? Comment est-ce que je peux faire pour évoluer dans ce pays? Il a posé ses questions à ses proches, aux amis. Et donc, lui, ce n'était pas les bonnes ressources. Je ne sais pas, est-ce qu'ils l'ont fait par exprès, est-ce qu'ils l'ont fait exprès pour l'utiliser pour produire de l'argent et les aider dans les loyers et la nourriture et tout, ou bien ils l'ont fait par bonne foi, je doute. Ouais. Il a passé 10 ans dans une entreprise, dans une factory, dans une usine. Après, par hasard, il a fait la connaissance d'une personne qui parlait le français dans une station de bus. Il était au téléphone avec sa femme. L'autre, toi, tu parles français? Oui, je parle français. Tout, est-ce que tu viens? Je viens de Côte d'Ivoire. L'autre, oh, moi, je viens du Cameroun, ou je ne sais pas exactement d'où. Et qu'est-ce que tu fais ici le matin si tôt? Il a dit, je viens de finir le travail. 6 heures du matin. Le Camerounais, je pense, qui va au travail le matin. Il a fait la connaissance par hasard dans une station de bus avec ce pauvre monsieur à 6 heures du matin. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as fait au Côte d'Ivoire? Il a dit, j'étais un professeur de maths. Qu'est-ce que tu fais dans un magasin? Bon, il n'a pas dit ça tout de suite. Il a dit, depuis quand tu es au Canada? Il a dit, depuis 10 ans. Et depuis quand tu fais ce travail? Il a dit, depuis 10 ans. Pourquoi tu n'as pas cherché un moyen de vous trouver un travail ici comme enseignant dans une école élémentaire ou quelque chose comme ça? Il a dit, bon, ils m'ont dit qu'il y a du travail dans cette usine et j'ai resté dans cette usine, c'est tout. Et tout le monde est content. Non, tu vois, je vais te donner le numéro de téléphone, tu vas appeler ces gens-là, tu vas aller aujourd'hui, si tu peux, sinon demain, vous allez vous rendre dans cet organisme et tu dois parler avec eux. Et c'est comme ça qu'il a, comment dirais-je, il a arraché cet homme de cette situation. Il ne savait même pas qu'il peut devenir un enseignant ici. Donc, on revient sur l'intégration sociale. Donc, L'un des indices, le nombre des amis que tu as fait, pas exactement un nombre, mais même si ce ne sont pas des amis, le nombre de contacts que tu as fait, les organismes que tu connais, les écoles, tout ce qui est dans la société. Même les rues. Est-ce que tu connais les rues de ta ville? Est-ce que tu arrives après 7 ans, 5 ans, est-ce que tu arrives à te dire t'orienter, te bien orienter dans la ville ou non? Tout ça, ça entre dans l'intégration sociale. Je pense qu'il n'existe pas une unité de mesure, mais ce sont des indices. Si tu peux m'aider à trouver d'autres indices, par exemple, à ce niveau-là, mais je ne trouve pas une unité de mesure. Mais comme je viens de dire, ce sont juste des indices.
Est-ce Ok, qu'il y a des choses je que vois. tu connais ou non? C'est correct. Bon, tu as donné ce que vous savez, c'est correct. On est satisfait avec la réponse. On peut ajouter que pour mesurer un peu, c'est pas comme vous l'avez bien dit, il n'y a pas une unité de mesure pour faire ça, mais on peut faire des comparaisons entre le progrès que la personne a fait si on parle d'une personne. Mais on peut comparer aussi les communautés pour mesurer aussi. Admettons, on regarde les communautés chinoises, on regarde les communautés arabes, on regarde les communautés, comment ils évoluent et quelle place qu'ils prennent dans la société ou dans la ville, quelles sont les activités qu'ils mènent plus. Et c'est comme ça on peut voir exactement et dans quel niveau chaque catégorie, pays ou individu est vraiment évolué, ou c'est comme ça on peut mesurer un peu. Pour dire en gros, c'est comme le progrès que la personne a fait ou le recul s'il n'est pas bien intégré, vraiment comme vous l'avez bien mentionné pour la personne qui était restée 10 ans et il ne cherche pas vraiment à trouver des outils appropriés pour trouver les bonnes solutions pour s'intégrer normalement dans la société. C'est ce qui arrive très souvent aux gens quand ils arrivent dans un pays quelconque. Ils restent dans leur bulle, ils ne cherchent pas à trouver d'autres alternatives. Surtout quand vous avez bien dit des regroupements familiaux, là. Et quand tu arrives, on te dit ça, toi tu le crois, c'est juste exactement ça. Tu ne cherches pas à savoir et ça va vous retarder vraiment dans votre intégration et dans votre progrès aussi. Si vous restez à écouter seulement les gens qui t'entourent, il faut écouter d'autres sons. Comme ça va vous aider à vous libérer un peu plus. Comme ça, vous allez avoir plus d'outils, plus de capacités de vous intégrer et de faire des progrès. Admettons que quelqu'un qui arrive, il reste dans leur bulle de famille, il ne parle pas avec d'autres personnes, il ne cherche pas à savoir qu'est-ce qui se passe. Cette personne-là, elle va avoir vraiment des difficultés pour trouver les moyens de sortir dans une situation, car il n'a pas beaucoup de contacts. Si tu n'as pas beaucoup de contacts, vous n'avez pas beaucoup d'alternatives. C'est ça, quand vous allez avoir un problème, c'est juste votre entourage qui va pouvoir vous aider, mais les solutions, ça pourrait que ça ne va pas être des bonnes solutions aussi. C'est un peu ça qu'on peut dire. Quand vous arrivez quelque part, comme conseil, on peut dire, essayez de vous libérer un peu. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas écouter vos proches. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas suivre ce qu'on va vous dire quand vous allez arriver à peine. Mais il ne faut pas rester sur cela. Il faut bouger, il faut chercher, il faut faire d'autres contacts. Approcher les gens gentiment, avec respect. Je pense que ça peut aider à trouver des opportunités énormes pour que vous puissiez vous épanouir et vous puissiez vous intégrer facilement dans les communautés et les sociétés et dans les pays que vous vous êtes. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Monsieur Amine? On va terminer l'émission aujourd'hui. Et ça, c'était un grand plaisir pour moi de t'avoir avec moi. Et ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu et ça m'a fait un grand plaisir. Le plaisir est le mien et ça fait un bon temps, un long temps qu'on ne s'est pas vu en personne grâce à cette extraordinaire pandémie qui ne veut pas nous quitter. Bon, je vais juste dire un petit mot pour les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent. Quand vous arrivez ici, épanouissez-vous. L'argent va venir. Sortez. Quand vous allez avoir l'occasion de sortir, même si vous n'avez... Bon, je ne veux pas parler trop de matériel parce que chaque personne va venir avec une somme d'argent. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Tout le monde va avoir sa chance. Si vous êtes invité et si vous avez le temps, ne vous fermez pas dans votre bulle, sortez, épanouissez-vous, enjoy. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut dire enjoy, comment est-ce qu'on dit ça en français. Amusé. Amusez-vous, passez du bon temps. C'est comme ça que vous allez trouver des gens qui peuvent vous
vous guider. Ils ne vont pas vous prendre la main, comme j'ai dit au début. Ils vont vous orienter, vous donner une idée. Vous ne savez jamais où est-ce que l'opportunité est. Quand est-ce que l'opportunité se pose. Les gens disent, oh, tu vois, il a de la chance. Non, il n'a pas de la chance. Il a créé sa chance. Parce qu'il est allé dans cette réunion, ou bien parce qu'il est allé dans ce séminaire, ou bien parce qu'il est allé dans cette partie, dans cette soirée. Toutes les occasions sont bonnes. Amusez-vous, prenez soin de vous, et vous allez avoir votre chance. Merci beaucoup, mon ami Amine. Et ça m'a fait plaisir et j'espère que nos téléspectateurs avaient quelque chose de différent et ils ont apprécié quand même. Et si vous avez aimé la vidéo, partagez-le s'il vous plaît, ajoutez un like et abonnez à la chaîne s'il vous plaît. Et quant à moi, je vous dis merci. On va se voir bientôt pour une autre émission. Mon nom c'est Racilien Hérolien. À la prochaine. N'hésitez pas d'abonner s'il vous plaît, ça va faire très bien avec la chaîne. Bye bye, à la prochaine.